retarder le chronomètre du centre de commandement. Et ensuite, j'ai fait croire à Strongarm que j'avais une 7e vitesse qui me permettait voyager de... Voyager dans le temps. Tu nous as déjà raconté cette histoire. Plusieurs fois, d'ailleurs. Hé, hey, je veux juste vous distraire un peu jusqu'à ce qu'on découvre la source de ce signal Decepticon. Et à ce propos... Il y a encore trop d'interférences, Sideswipe. Alors, j'ai dit à Strongarm, on fait la course et je serai revenu ici une demi-heure avant le départ. Un grand classique. Si tu laissais ta mâchoire se reposer un peu, Cracra, depuis qu'on a scanné ces modes camouflage à partir d'une Jeep, tu n'as pas arrêté de parler plus de 5 secondes. 5 secondes? Je peux y arriver. Strongarm n'en croyait pas ses optiques, alors... Optimus, vous avez essayé de recalibrer le... Optimus, vous êtes blessé? Je vais très bien, Windblade. Depuis que mes pouvoirs ont été drainés par les autres Prime, mon endurance a nettement diminué. Toutefois, je sens que je m'améliore de jour en jour. Des missions plus longues comme celle-ci exigent un peu d'adaptation. Puis-je faire quelque chose pour vous aider? Non, mais merci quand même de te faire du souci pour moi. Allons rejoindre les autres avant que Drift ne démantibule Sideswipe. Celui-là est tellement gros que Razorpo nous remerciera, c'est sûr. Commençons par le vin qu'on songera au remerciement après. Transformers, Robots in Disguise. Protection rapprochée. Ne vous approchez pas de lui. Excuse-nous, Windblade. Non, c'est un excellent test pour mes élèves. Le test est terminé. Je vote pour une retraite tactique. Razorpo ne sera pas content. Razorpo n'est jamais content. Optimus au dépôt de ferraille. Fix-it, tu m'entends? Optimus Prime, quelle joie d'avoir des nouvelles de notre escadron camouflé. Jamais d'appel, jamais de blette, crête, lettre. Fix-it. Il nous faut des renseignements sur 2 minicons torpedo qui sont capables de manipuler la température. Ah, je parcours à l'instant le manifeste des prisonniers de l'Alkemor. Les archives du vaisseau nous révèlent deux noms, Sweltor et Glacius.
Ils peuvent projeter respectivement une chaleur à faire fondre les armures et un froid à détruire les circuits. Et au cours de leur carrière, ils se sont associés à plusieurs Decepticons. L'un de leurs anciens associés s'appelait-il Razorpaw? Je ne vois aucune référence à un Razorpaw dans leur dossier. Et je ne trouve ce nom nulle part dans le manifeste des prisonniers de l'Alkemor. Je te remercie pour ton aide, Fixit. Tous les Decepticons qu'on a rencontrés depuis notre arrivée sur Terre étaient sur l'Alkemor. Mais ce Razorpaw se trouvait déjà ici avant? Je n'aime pas avoir aussi peu de données, Optimus. En particulier si vous êtes affaibli. Ton inquiétude est inadéquate, Windblade. Notre mission, capturer les Decepticons, doit rester une priorité absolue. Continuons nos recherches sans perdre plus de temps. Toujours rien de clair? Je perçois un signal très faible derrière la masse inerte, droit devant nous. Vous savez, Optimus, Windy n'avait pas tort tout à l'heure. Au cas où ce Razorpaw serait plus sournois que prévu, peut-être qu'on devrait d'abord aller jeter un œil tous les trois. Et comme ça, si quelque chose tourne mal, on garde notre grand atout. Un plan bien imaginé, Sideswipe. Mais je préfère en finir avec cette poursuite aussi rapidement que possible. Tant que notre équipe est en possession de toutes ses forces et prête à affronter nos ennemis. Optimus n'est pas encore prêt. Il allait déjà mal quand ces minicons se sont montrés. Même si c'est le cas, Optimus est trop fier pour admettre qu'il souffre d'un tel handicap. J'ai essayé de lui fournir une porte de sortie honorable. J'arrive pas à croire que j'ai essayé de ne pas vexer quelqu'un. C'est Optimus Prime. Nous devons le protéger. C'est un Prime. Il sait parfaitement prendre soin de lui-même. Le problème, c'est de protéger Optimus sans qu'il se rende compte qu'on le protège. Laisse tomber, Windblade. Nous ne savons pas quel genre de combat nous allons livrer. Optimus devra se protéger seul. Quand on veut qu'une chose soit bien faite. Les interférences sont particulièrement puissantes à cet endroit. Nous devrions nous disperser et chercher par deux. Windblade, mais qu'est-ce que tu fais? Je dégage simplement le sentier devant un très noble Prime. C'est un honneur, monsieur. Honnêtement, Windblade, ce n'est vraiment pas nécessaire. Je peux me frayer un chemin tout... À terre! Restez couché, monsieur! Windblade!
Rends-moi un service. La prochaine fois que tu voudras descendre une rivière, prends un canot. Tu bois, Twinblade. Un tournevis, un peu de peinture et tout ira bien, monsieur. Une intervention impressionnante, Sideswipe. C'est rien du tout. J'ai déjà fait beaucoup mieux. J'ai apprécié ta façon d'agir et ton altruisme devant une aussi redoutable menace, Windblade. Désolé, un réflexe. On n'a pas des minicons à capturer. C'est bon maintenant? Tu vas arrêter de jouer les pare-chocs pour Optimus? S'il lui arrivait un accident alors que j'aurais pu le protéger, je ne me le pardonnerais jamais. Razorpo! J'espère que vous avez une bonne raison de me réveiller. Sinon, avant d'être tout à fait à court de mon énergon, je ferai le plein avec le vôtre. Il faut que tu vois ça! Des Autobots? Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? L'un d'entre eux est plus faible que les autres. Oui, ça se voit. Vous croyez que j'ai les optiques bouchées? Mais dois-je vraiment perdre ma précieuse énergie en capturant mes propres proies? Je t'avais bien dit qu'ils ne nous remercieraient pas! Si nous jouons les bonnes cartes, tu auras bientôt à ta disposition 4 robots à siphonner au lieu d'un seul. Très bien. Mais nous commencerons par attirer le plus faible vers moi. Quand j'aurai fini, je vous laisserai le reste. Je crois que nous avons découvert la source des interférences. Et aussi un repère parfait pour nos amis les Decepticons. Ça ressemble à un cimetière de voitures. Une installation militaire. Peut-être pour le stockage et la réparation des véhicules. Aucune chaleur n'émane de ces moteurs. Ils n'ont pas été utilisés depuis longtemps. Cette porte a été utilisée récemment, si j'en crois ces traces de brûlure. Divisons-nous en équipes. Windblade et Sideswipe, explorez l'intérieur de ce bâtiment. Drift, tes minicons et toi, vous m'accompagnerez dans mon inspection du périmètre. Optimus, si j'entre là-dedans, je ne pourrai pas utiliser mes turbines pour voler. Je serai bien plus utile à l'extérieur. Avec vous. Entendez. Et après avoir battu Strongarm 4 fois au sprint, j'ai retardé le chronomètre du dépôt de ferraille et j'ai dit à Strongarm... Je vais débrancher mes récepteurs audio. Non, je t'en prie! Laisse-nous faire ça pour toi, à tout jamais! Et voilà 2 jolis cadeaux pour Razorpo.
Allons l'aider à affronter les autres. Et pourquoi? Razorpo nous remerciera même pas d'avoir fait le travail à sa place. N'oublie pas qu'il a dit qu'il nous laisserait les restes. Les restes. C'était Sideswipe. Je reconnaîtrai cette voix entre toutes. Le signal que nous avons suivi est revenu, plus fort que jamais. Et il se trouve juste au-dessus de nous. Vite, Windblade! Si vous me laissiez passer devant Optimus, je pourrais... Parfait. L'Autobot le plus faible se trouve juste à portée de mes griffes. Windblade, écarte-toi, c'est un ordre. Optimus, je vous en prie, fuyez tout de suite. Razorpo en veut au plus faible d'entre nous. Et pour l'instant, c'est vous. Tu crois que c'est le Prime qui m'intéresse? Tu te trompes du tout au tout. Juste à temps pour sauver la situation. Et je suis sûr que cette fois, nous avons mérité de chaleureux remerciements. Drainer un malade et un blessé est tellement plus facile que de se démener pour affronter un robot en pleine forme. Optimus... Razorpo, gardez quand même une petite place. Garder une place? C'est un plat principal comparé à cet amuse-gueule. Surtout ne touchez pas à l'autre. Glacius et moi, on s'est remué les circuits pour toi. Et la seule récompense que tu nous accordes, c'est... Le simple fait de vous autoriser à exister est une récompense suffisante, espèce de... Razorpo, Sweater, je vous en prie, ce n'est pas le moment de se disputer. D'être plus blessé que vous ne l'étiez. Nos ennemis semblaient très attirés par la faiblesse. Je voulais leur fournir une cible qui leur paraîtrait encore plus vulnérable que toi. Vous n'avez jamais eu besoin de protection, mais moi, oui. Et mon assurance m'a rendu plus vulnérable encore. Ne sois pas si dur avec toi-même, Windblade. Nous faisons tous des erreurs. Mais le pire serait de ne pas se soucier de ceux que nous aimons. J'estime que j'ai de la chance d'avoir une coéquipière prête à me protéger par tous les moyens. Merci, Optimus. C'est un grand honneur de... Sideswipe! Drift! C'est vous là-dedans? Écarte-toi, Windblade. Je vais vous libérer tous les deux dans un instant. Être encastré dans du métal a enfin forcé Sideswipe à se taire. Je vous en prie, prenez votre temps. Alors, Cracra, tu vas enfin battre ton propre record et te taire pendant plus de 5 secondes?